Hello again, everyone. It's 1 p.m. Eastern, so Bonjour we tout le are monde, c'est 13 heures de l'Est, nous allons commencer. Merci de vous joindre à nous pour l'événement d'aujourd'hui, notre point de vue, les positions d'Inclusion Canada sur le logement. Avant de commencer, nous aimerions passer en revue quelques points de gestion interne et d'accessibilité. L'événement d'aujourd'hui durera une heure, avec environ 40 minutes de présentation et 20 minutes pour les questions et réponses. Cet événement sera présenté en anglais. Interprétation simultanée en français, l'ASL et le LSQ et le sous-titrage en anglais et en français sont également disponibles. Pour activer le sous-titrage anglais ou français carte, veuillez cliquer sur le lien fourni dans la boîte de discussion. Les sous-titres apparaîtront dans une nouvelle fenêtre. La barre d'outils située en haut de la fenêtre vous permet de régler la taille, le style et la couleur des sous-titres. Vous pouvez aussi modifier la couleur de l'arrière-plan. En haut à gauche, vous pouvez basculer entre les sous-titres anglais et français. Pour obtenir l'interprétation simultanée en français, cliquez sur la flèche située près de la touche Interprétation sur la barre d'outils en bas de l'écran. Un menu Options apparaîtra. Cliquez sur Français. Vous pourrez maintenant entendre l'interprète français et l'audio initial qui aura un volume plus faible. Si vous préférez supprimer le son de l'audio initial en anglais, cliquez à nouveau sur la touche Interprétation et choisissez Couper le son de l'audio d'origine, Mute Original Audio. Et là, vous n'entendrez plus que l'interprète en français. Cliquez sur la flèche située près de la touche Interprétation. Sur la barre d'outils au bas de l'écran, puis cliquez sur Français, French. Sur le menu qui apparaîtra à l'écran, vous pourrez désormais entendre l'interprète français ainsi que l'audio initial qui aura un plus faible volume. Si vous préférez supprimer le son de l'audio initial en anglais, cliquez à nouveau sur la touche Interprétation et choisissez Couper le son de l'audio original, Mute Original Audio. À présent, vous n'entendrez plus que l'interprète en français. We are also pleased to have American Sign Language. Nous avons aussi l'American Sign Language et la langue des signes du Québec avec des interprètes ici aujourd'hui. Les interprètes ASL et LSQ ont été mis en spotlight. Ils seront visibles sur votre écran à tout moment. Si vous ne pouvez pas voir les interprètes, veuillez vérifier que votre fenêtre Zoom est réglée sur vue de galerie, gallery view. Il y aura une séance de questions-réponses à la fin de l'événement. Vous pouvez envoyer des questions en utilisant la fonction Q et R en bas de votre écran. Nous comprenons que la boîte de questions-réponses n'est peut-être pas un format accessible à tous. Les questions peuvent aussi être envoyées par courriel à forum@commercialinclusioncanada.ca. En raison du grand nombre de participants au webinaire d'aujourd'hui, il ne sera peut-être pas possible de répondre à toutes les questions. Si vous rencontrez des difficultés techniques, veuillez nous en informer par courriel à l'adresse forum@commercialinclusioncanada.ca et nous ferons de notre mieux pour vous aider à les résoudre. Pour éviter les problèmes courants, veuillez vous assurer que vous regardez le webinaire à partir d'un endroit avec une connexion Internet solide et que le volume de votre ordinateur est activé. Nous aimerions commencer par reconnaître les peuples autochtones de toutes les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Alors que nous nous réunissons aujourd'hui sur une plateforme virtuelle, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître l'importance de la terre, que nous appelons chacun notre chez-soi. Ce faisant, nous réaffirmons notre engagement et notre responsabilité à l'égard de l'amélioration des relations entre les nations et nous approfondissons notre compréhension personnelle des peuples autochtones de notre région ainsi que de leur culture. D'un océan à l'autre, nous reconnaissons
les territoires traditionnels et non cédés de tous les Inuits, Métis et membres des Premières Nations qui vivent dans ce pays. Bonjour et bienvenue à la série de webinaires d'Inclusion Canada, notre point de vue. Je suis Krista Carr, je suis la vice-présidente exécutive d'Inclusion Canada. Inclusion Canada est une fédération nationale de 13 associations provinciales et territoriales et de plus de 300 associations locales qui travaillent pour faire avancer l'inclusion complète et les droits de la personne, des personnes ayant une déficience intellectuelle et de leur famille. L'événement d'aujourd'hui est le troisième d'une série en trois parties qui explore les déclarations de position d'Inclusion Canada. Le webinaire d'aujourd'hui va explorer la position d'Inclusion Canada sur le logement. L'accès à un logement abordable et inclusif est un sujet brûlant dans ce pays. Le logement inadéquat est un problème qui impacte plus d'un million de foyers au Canada, y compris les personnes ayant une déficience intellectuelle. Merci d'être avec nous aujourd'hui, tandis que nous explorons cette question importante et que nous discutons des mesures pour pouvoir avoir un changement positif. C'est maintenant mon plaisir de vous présenter vos hôtes pour la journée. Je m'appelle Rachel Mills, je suis analyste principale des politiques à Inclusion Canada et je serai votre modératrice pour la journée. Jeff Ferguson est le directeur exécutif de la mobilisation et de la transformation des connaissances à Inclusion Canada. Norm MacLeod est coprésidente du groupe de travail conjoint sur la désinstitutionnalisation, un groupe de travail conjoint entre Inclusion Canada et Personnes d'abord du Canada. Diane Cormier-Northrup est une parente et la directrice à titre personnel du conseil d'administration d'Inclusion Canada. Pour commencer notre présentation, j'aimerais laisser la parole à Jeff, qui va nous parler un peu de la question du logement au Canada. Merci Rachel, et j'aimerais remercier tout le monde, toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. Je vais dire que je suis un homme blanc. J'ai des cheveux noirs gris courts. J'ai des lunettes aujourd'hui et j'ai un t-shirt à manches courtes bleu avec un t-shirt blanc en dessous. Et le fond de mon écran est flou et j'utilise il, lui. Merci encore Rachel pour la présentation. Quel est le problème avec le logement? C'est une grosse question de politique pour Inclusion Canada. Il y a plusieurs éléments. Mais parlons d'abord de la maison. C'est un besoin universel et fondamental. Si les logements varient d'un pays à l'autre, la signification de la maison est constante. C'est l'endroit où nous faisons l'expérience de l'amour quand nous sommes enfants, où nous grandissons et où nous allons explorer le monde. Finalement, nous créons notre propre maison qui reflète qui nous sommes en tant que personnes uniques et individuelles. Mais pour beaucoup trop de personnes ayant une déficience intellectuelle, l'essence même de la maison est déniée en les plaçant dans des endroits séparés ou des logements séparés, comme des institutions et des maisons de groupe. Ces endroits ne sont pas choisis individuellement, mais ce sont des placements qui créent des obstacles au choix, à la liberté et à la participation complète dans la communauté. L'accès à un logement accessible et abordable est une priorité pour Inclusion Canada et pour nos fédérations. Les personnes ayant une déficience intellectuelle ont les mêmes droits d'avoir une maison que tout le monde. Ceci comprend le droit de choisir où et avec qui vivre, le droit d'être propriétaire ou de louer une maison, ou le droit de créer son propre environnement de maison, avec des possessions et la vie privée qui sont respectées. Ces droits sont inscrits dans l'article 19 de la Convention des Nations Unies sur le droit des personnes handicapées. Trouver un endroit où vivre pour les personnes ayant une déficience intellectuelle
peut être parfois très difficile. Les gens sont mis dans des logements qui sont loin du reste de la société, qui sont séparés et parfois ils sont placés en institution. Beaucoup de personnes ayant une déficience intellectuelle ne peuvent pas se permettre financièrement d'avoir un endroit adéquat où vivre. Et parfois, le logement n'est même pas disponible. Le taux de pauvreté est très élevé. Une étude de 2016 de Statistique Canada a démontré que 25% des personnes ayant une déficience handicapée vivent dans des logements inabordables. Inabordable, ça veut dire que les gens dépensent plus de 30% de leurs revenus individuels pour se loger. On sait aussi que quand on regarde les statistiques des personnes ayant une déficience intellectuelle, elles ont généralement des taux d'inabordabilité plus élevés que les autres personnes ayant d'autres handicaps. Mais on sait aussi qu'au cours de la dernière année, l'abordabilité est encore plus difficile à cause de l'inflation, des taux d'intérêt et une augmentation des prix de location. On a vu aussi les rénovations où les propriétaires font des rénovations et remplacent les personnes ayant un loyer bas par des personnes qui payent plus. On sait aussi que c'est difficile pour les personnes ayant une déficience intellectuelle d'avoir les soutiens nécessaires pour vivre de manière indépendante. Les services et les soutiens aux personnes handicapées ne sont pas les mêmes dans tout le pays. Et c'est souvent plus considéré comme une exception de voir un plan de vie indépendante dans la communauté. Et les familles veulent que leurs membres de la famille soient en sécurité, qu'on réponde à leurs besoins. Trop souvent, les personnes ayant une déficience intellectuelle sont placées dans une situation de logement. Peut-être parce que ce n'est que ce qu'on appelle l'option la plus sécuritaire dans la communauté où on peut répondre à leurs besoins. Les familles ne veulent pas mettre ces êtres chers dans ces endroits, mais elles sont obligées parce que souvent, il n'y a pas d'autre choix ou d'autre option. Il n'y a pas de contrôle personnel dans ces logements. Les maisons de groupe, il n'y a pas de contrôle personnel. Il n'y a pas de choix, de prise de décision. Les personnes ayant une déficience intellectuelle sont placées dans ces modèles. Le logement devrait être accessible. Il devrait permettre une inclusion complète dans la communauté. Les gens doivent pouvoir participer pleinement. Ils doivent choisir leur service de soutien. On se bat pour que le financement suive la personne. Ça veut dire que là où vous décidez de vivre, le financement doit suivre. Diapo suivante. Dans plusieurs provinces et territoires au Canada, les options de logement actuelles pour les personnes ayant une déficience intellectuelle sont limitées. Ces personnes sont souvent placées ensemble dans le même logement. Donc, par exemple, les grandes institutions, les centres de soins infirmiers, les foyers pour personnes âgées, les foyers de soins spéciaux, soins personnels, les centres de rééducation ou d'autres de ces établissements. Certaines personnes louent ou possèdent leur propre appartement, condo ou maison. Peut-être qu'elles vivent de manière indépendante ou avec du soutien. Mais malheureusement, les personnes présentant une déficience intellectuelle qui veulent vivre dans leur propre maison, la plupart du temps, en sont empêchées. Même dans les situations où le logement abordable est accessible et disponible, les taux élevés de pauvreté et le manque de soutien rendent un logement dans une communauté inaccessible pour de nombreuses personnes ayant une déficience intellectuelle. Nous savons aussi que beaucoup peuvent trouver des moyens de créer un logement inclusif. Nous avons plusieurs ressources sur notre site web, on les mentionnera plus tard, où nous avons démontré plusieurs exemples d'approches réussies. Vous allez entendre Diane parler de la situation de sa famille, qui a réussi à créer ça. Nous allons un peu parler de l'institutionnalisation. Je vais passer la parole à Norma Cloud, qui est un des coprésidents du groupe de travail conjoint sur la désinstitutionnalisation entre Inclusion Canada et Personnes d'abord du Canada. Et c'est un nom long pour un groupe important de personnes. Donc, je vais demander à Norm de donner plus de renseignements. Tout d'abord, par ce qu'on entend par institution. Donc, Norm, je vous donne la parole.
Merci Jeff et merci à Inclusion Canada pour l'occasion de participer au webinaire d'aujourd'hui. Comme Jeff l'a dit, je m'appelle Norm MacLeod et avec mon ami Gordon Fletcher, nous sommes co-présidents du groupe de travail conjoint sur la désinstitutionnalisation d'Inclusion Canada et de Personnes d'abord du Canada. Je suis un homme blanc, j'ai des cheveux blancs et une barbe blanche et je porte un t-shirt bleu foncé et je vais commencer ma présentation. Donc, le groupe de travail croit que ce ne serait pas éthique de défendre la fermeture des institutions si les gens vont recevoir des soins, du soutien dans des endroits séparés, isolés. Ils appuient le fait que ces gens doivent faire partie entière de la communauté canadienne. Une des premières choses qu'a fait le groupe de travail lors de sa création en 2002 était d'élaborer la définition d'une institution. Donc nous pensons qu'une institution est un endroit dans lequel les personnes étiquetées comme ayant une déficience intellectuelle sont isolées, marginalisés ou rassemblés. Une institution est un endroit où les résidents n'ont pas le contrôle de leur vie ni celui des décisions quotidiennes et ne sont pas autorisés à l'exercer. Une institution est rarement délimitée par ces dimensions. Les familles et les personnes ayant vécu en institution milite pour que les personnes ayant une déficience intellectuelle soient pleinement intégrées à la vie communautaire et pour que les institutions soient fermées, et ça depuis le milieu des années 1950. Donc ça a été une lutte longue. Et le rêve de voir les personnes incluses en tant que citoyens à part entière dans la société n'a pas encore été réalisé. Malheureusement, une grande partie de ce que nous avons développé pour aider les gens à vivre dans la communauté les prive de leurs droits fondamentaux de citoyenneté, de contrôle personnel, de prise de décision et d'indépendance. De par leur nature même, les institutions ne peuvent pas offrir aux gens la possibilité d'apprendre, de s'épanouir et de contribuer à la société. Elles isolent les gens de leur famille, de leurs amis et de leur communauté. Les institutions refusent aux gens le droit fondamental de décider où et avec qui ils vont vivre. Pouvez-vous imaginer un instant ce que ce serait si quelqu'un d'autre décidait pour vous où vous allez vivre et avec qui vous allez vivre? C'est plutôt effrayant, n'est-ce pas? Les institutions privent les gens du droit de prendre des décisions fondamentales concernant leur propre vie. Nous croyons que l'institutionnalisation des personnes ayant une déficience intellectuelle va à l'encontre des droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés et de la Convention des Nations unies sur le droit des personnes handicapées. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, pourquoi est-ce que les institutions existent? Il n'y a pas beaucoup d'options pour les personnes et les familles. On part souvent du principe que les personnes resteront à jamais dans le foyer familial, qu'elles iront dans des foyers de groupe ou dans d'autres types d'institutions. Les personnes ayant une déficience intellectuelle veulent vivre de manière indépendante et prendre leurs propres décisions par rapport à là où ils vivent et avec qui. Mais on continue à leur présenter des options qui ne permettent pas de choisir leur mode de vie. Ces personnes sont couramment placées dans des logements isolés, marginalisés, confinés, parce que c'est le seul endroit disponible.
Ces personnes sont forcées de choisir ces options, non pas parce que c'est là qu'elles veulent vivre, mais parce que c'est la seule option disponible. Il n'y a pas assez de logements accessibles et abordables au Canada. La majorité des personnes ayant déficience intellectuelle sont sans emploi ou sous-employées. Beaucoup dépendent des programmes d'aide sociale du gouvernement pour répondre à leurs besoins de base. Et les taux d'aide sociale au Canada sont minimes. Et en réalité, cela condamne les gens à une vie de pauvreté. Et ça rend presque impossible pour ces personnes d'acheter ou de louer leur propre maison, sauf avec du soutien de leur famille. De plus, la majorité des personnes ayant une déficience intellectuelle sont incapables d'obtenir une planification indépendante centrée sur la personne, qui est indépendante du gouvernement et indépendante des agences où elles obtiennent ce soutien. La majorité n'ont pas non plus accès à un financement individualisé et transférable. Ces personnes sont plutôt placées dans des modèles de logement comme les foyers de groupe financés par des subventions globales qui limitent leur contrôle, leur choix et leur prise de décision. Ce n'est pas ce qu'elles veulent et ce dont elles ont besoin. Les services et les mesures de soutien ne sont pas les mêmes pour toutes les personnes handicapées au Canada. Les gens n'ont pas le même accès au soutien dont ils ont besoin pour vivre de façon indépendante dans la communauté. La grande majorité des personnes ayant une déficience intellectuelle n'ont pas leur propre maison, où elles ont leur choix, leur contrôle dans les décisions quotidiennes, y compris le droit de décider, comme je l'ai mentionné, où et avec qui elles vivent. Malheureusement, au Canada, l'accès au soutien pour vivre dans la communauté n'est pas considéré comme un droit, mais plutôt comme un programme d'assistance sociale qui dépend de la disponibilité du financement et des places. Donc, des dizaines de milliers de personnes au Canada sont sur des listes d'attente pour obtenir du soutien. Elles ne savent pas si elles recevront un jour du soutien ou si ce soutien sera approprié à leurs besoins. Beaucoup sont placés dans des programmes basés sur les facultés qu'elles n'ont pas choisies, simplement parce que c'est le seul programme disponible. Les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux doivent adopter des plans concrets pour garantir des logements abordables et accessibles et des soutiens communautaires individualisés qui permettront aux gens de vivre dans leur propre maison. Le Canada doit respecter son engagement et son obligation conformément à l'article 19 de la Convention des Nations Unies sur le droit des personnes handicapées et aux articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Merci et je vais donner la parole à Diane. Merci Norm. Bonjour tout le monde. Je suis Diane. Je suis une femme blanche avec des cheveux courts, avec un petit peu de gris. J'ai une veste rouge et en arrière-plan, il y a un dessin de mon fils Robert et juste en dessous, un coussin avec le mot « home », maison, dessus. Quand on parle de logement inclusif, on ne parle pas seulement de là où on vit et du genre de maison, mais on parle aussi de ce qui contribue à créer une maison. On sait ce qu'on ressent quand on est à la maison. C'est ce sentiment d'appartenance, de confort, de sécurité dont Jeff parlait. Et pour nous, nous allons dans le monde et nous créons notre propre maison où nous nous sentons libres d'être nous-mêmes, où nous avons le contrôle de tout ce qui se passe à l'intérieur, où on le modifie pour que ça corresponde à nous et où nous exprimons notre identité. Notre maison, c'est une sorte de refuge, un endroit confortable, sécuritaire, où l'on retourne à la fin de la journée pour récupérer et se préparer pour la prochaine journée.
Qu'on ait besoin de beaucoup de soutien, d'un peu de soutien ou pas du tout de soutien dans les activités quotidiennes, les personnes ayant une déficience intellectuelle ou développementale doivent avoir accès aux mêmes options de logement que toutes les autres personnes au Canada, pour qu'elles aussi puissent créer une maison pour eux-mêmes, plutôt que d'être séparés des autres parce qu'ils ont besoin de soutien à cause de leur handicap ou parce que leur revenu est tellement bas qu'ils ne peuvent pas se permettre un loyer. Et nous savons tous ce à quoi ressemble un logement inclusif. C'est un logement qu'on choisirait pour nous-mêmes, un appartement, un condo, une maison mobile. Il y a beaucoup d'options. Et ce qui rend ces options inclusives sont des facteurs importants. Tout d'abord, on choisirait où on veut vivre et avec qui. Dans des logements inclusifs, vous avez le choix, le contrôle de ce qui se passe, de la décoration. Vous décidez de ce que vous faites pendant votre journée, vous décidez ce qui se passe dans votre maison ou qui vient chez vous. Dans un logement inclusif, les gens ont aussi des responsabilités qui viennent avec la liberté d'être dans une maison. Donc faire les tâches ménagères, payer les factures, cuisiner, aller faire les courses. Et comme Norm l'a dit, il y a tellement de personnes ayant une déficience intellectuelle ou développementale qui vivent sous le seuil de pauvreté que ça limite considérablement leur possibilité de logement. Et ça s'est aggravé sur le marché actuel. Donc, pour qu'un logement soit inclusif, l'abordabilité doit être prise en considération. Donc, tout d'abord, il faut des logements abordables avec des aides. Ça, c'est crucial pour que ce soit une possibilité pour tout le monde. Ces options de logement abordables doivent être disponibles dans des quartiers où les gens ont des expériences de vie différentes, des besoins différents, plutôt que de créer des quartiers autour d'un seul facteur comme le revenu ou l'âge ou le handicap. Un autre facteur, c'est l'accessibilité. Un logement est inclusif quand les obstacles aux activités de la vie quotidienne sont éliminés à l'intérieur et à l'extérieur du domicile. Et ces obstacles pour la participation à tous les aspects de la vie d'une communauté, ces barrières peuvent être physiques, sociales ou liées à des problèmes de santé mentale. Que ce soit dans une région rurale, dans un petit village ou dans une grande ville, il faut prendre en considération la proximité des endroits communautaires et l'accès aux transports. Et c'est vraiment d'actualité vu le prix de l'essence aujourd'hui. Quand tout ça est pris en considération, ça permet aux gens de participer à la vie politique, sociale, économique de leur communauté. Et ça, c'est tellement important. Parce que c'est grâce à leur participation, à leur contribution, que les personnes ayant une déficience intellectuelle ou développementale sont reconnues et considérées comme faisant partie à part entière de la communauté. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, pour nous tous, dans nos communautés respectives. En rendant la participation à la communauté accessible, ça crée la possibilité pour les gens d'avoir différents liens avec d'autres personnes dans leur quartier et avec des personnes dans d'autres domaines de leur vie, y compris la famille, les amis, là où ils travaillent, où ils font du bénévolat, là où ils ont des activités récréatives. Et être lié à des personnes dans leur quartier et dans la communauté, c'est un des facteurs qui contribue le plus au bien-être de nous tous
et en particulier des personnes ayant une déficience intellectuelle ou développementale. Ce sont les gens qui s'aident les uns les autres, qui donnent les meilleures situations de sécurité pour tout le monde. Et ça permet à tout le monde de vivre des vies enrichies plutôt que d'avoir des règles qui limitent leur vie pour les garder en sécurité. Pour que le logement soit inclusif, je pense aussi que le financement doit être inclus pour du soutien à domicile relativement au handicap. Et ce soutien à la maison sera dirigé par la personne qui reçoit ce soutien. Ça veut dire qu'elle aura son mot à dire par rapport au genre de soutien nécessaire, par rapport à qui va fournir ce soutien et comment cette personne ou ce système leur permettra d'avoir une vie pleine dans leur maison et dans leur communauté. On doit aussi prendre en considération les arrangements de vie. Est-ce qu'il y aura un colocataire? Est-ce qu'ils vont vivre avec un ami? Ou d'autres types de cohabitation? Et finalement, inaudible. Quand les droits et les sont respectés, ça veut dire qu'en plus d'avoir des choix et une certaine liberté, vous avez des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou développementale qui ont le bail de location ou qui peuvent obtenir une hypothèque ou peut-être signer un contrat avec différents fournisseurs de services. Donc vous recevrez chez vous. Donc par exemple, si vous la télé câblée, le téléphone, ou si vous achetez un appareil électroménager. Et ça, quelle que soit la complexité du handicap, de la déficience. C'est-à-dire que certaines personnes ont besoin de soutien pour signer un contrat ou pour diriger le soutien, mais elles ne seraient pas exclues de tout ce système et ce processus à cause de ça. Inaudible. C'est tout à fait possible. En fait, ça a été dit, il y a de nombreux exemples partout au Canada de personnes ayant une déficience intellectuelle ou développementale qui vivent dans leur propre maison. Et la vidéo que vous allez voir parle d'une histoire d'un frère et d'une sœur qui vivent dans une maison dont ils sont propriétaires. Et c'est l'histoire de notre famille. Marc, est-ce que vous pouvez montrer la vidéo, s'il vous plaît? OK. On peut ouvrir ça. Donc, voici toutes les instructions, voici ta carte. Et ça, c'est le vote. Je m'appelle Diane Cormier Northrup et je vis à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, pas loin de là où vivent mes deux enfants adultes, Robert, qui a 54 ans, et Lynn, qui a 51 ans. Ils vivent dans leur propre maison. Rob et Lynn ont tous les deux une naissance normale et on n'avait aucune idée qu'il y avait un problème. On a été envoyé à l'hôpital Isaac Walton à Halifax et ils ont fait toutes sortes de tests pour trouver que c'était quelque chose de neurologique. Et je me souviens du neurologue, il a dit qu'il était certain que c'était dégénératif. Mais il a dit, vous savez quoi? Rentrez chez vous et ayez une vie normale. Et j'ai juste pensé que c'était, OK, ça va être difficile. On a fait tout ce qu'on pouvait. On a acheté un bateau, on est allé camper, on a pris la tente roulotte. Et j'ai vécu au jour le jour. Pour moi, Inclusion Canada, c'est un peu comme un point de référence, un endroit où je peux aller, qui va me donner les renseignements dont j'ai besoin pour réaliser mon rêve et notre vision d'une vie ordinaire. La façon dont on parle des gens et où on les place transmet des messages au reste de la communauté. La fois suivante où je me suis impliqué avec Inclusion Canada, je pense que c'était en 2010-2012, Robert et Lynn ont leur propre maison, et à ce moment-là, le montant d'argent qu'ils recevaient pour leur soutien à domicile n'était pas suffisant pour répondre à leurs besoins.
un service social a dit que la seule option, c'était une maison de retraite. Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone disant que le lit de Robert était prêt. Quand ils ont dit que la maison de retraite était la solution, je me suis dit, s'ils vont dans une maison de retraite, ils ne vont pas survivre. C'est ce qui m'a poussé à contacter Inclusion Canada. J'avais peur, j'étais en colère, c'était dévastateur. Je me sentais vraiment seul. J'ai contacté Inclusion Canada. Ils m'ont dit, attendez une seconde, on va vous aider. Et donc, arrivé dans la situation, je suis allé à Fredericton avec une pilote comme ça de documents. Et on a été approuvé. Donc, ils étaient à nouveau en sécurité dans leur maison. Donc, quand il y a des obstacles devant nous, je sais que je peux aller voir Inclusion Canada. Inclusion Canada, c'est nécessaire. C'est une ressource nécessaire. Pour moi, c'est aussi nécessaire que la caserne des pompiers. C'est aussi nécessaire que le poste de police. C'est eux les premiers intervenants. Je suis de retour. Comme vous l'avez vu dans cette courte vidéo, même être propriétaire, ça n'enlève pas une des vulnérabilités particulières qu'ont les personnes ayant déficience intellectuelle ou physique. L'accès au financement pour du soutien lié au handicap, soutien nécessaire pour les activités quotidiennes. Je veux retourner en arrière un petit peu. En 1991, quand mon fils et ma fille sont passés et ont fait la transition pour la vie dans leur propre maison, c'était comme des pionniers. C'était très rare pour des personnes ayant un handicap complexe d'être propriétaires ou de recevoir des fonds du gouvernement pour le soutien à domicile. Ça, c'est au moins au Nouveau-Brunswick. Mais heureusement, Robert et Lynn avaient un solide noyau de famille et d'amis qui étaient prêts à faire tout ce qu'il fallait pour leur permettre de réaliser leur rêve, à savoir une vie dans leur propre maison. Et pendant 20 ans, ils ont très bien fait. Et mon cœur se serre encore quand je repasse que ils ont failli finir dans une maison de retraite. Parce que le soutien à domicile dont ils avaient besoin a été refusé. Je me rappelle encore le coup de téléphone. Et j'ai presque hurlé quand la dame a dit « il y a un lit prêt pour Robert ». J'ai dit « non, enlevez son nom de la liste, ce n'est pas une option ». On avait des tantes, des oncles, des cousins, des amis qui nous ont soutenus. On ne savait pas ce qu'on allait faire, mais on savait vivre le reste de leur vie dans une maison de retraite. La vie qu'ils s'étaient créée pour eux-mêmes n'allait pas être jetée par la fenêtre. Ils n'allaient pas perdre leur quartier, leurs amis. On savait qu'il y avait beaucoup de travail parce que nous retrouvions face à un ministère du gouvernement qui ne voyait pas d'autre solution. Et comme je l'ai dit dans la vidéo, on a contacté Inclusion Canada. Et je veux parler un petit peu de cette expérience. Faire cette demande de financement additionnel, on a dû remplir des documents, des formulaires pour expliquer les besoins nécessaires. On a préparé un budget. Pour moi, c'est assez logique. Mais la demande de financement était vraiment invasive. Il n'y a pas une partie de leur vie qui a été laissée de côté. Et je ne pense pas dans la société qu'il y ait d'autres endroits où on ferait ça. On ferait ça à personne. Même l'Agence du revenu du Canada ne fait pas ça. C'est
d'être classé comme un client de niveau 4 ou d'être un dossier pour une maison de retraite. Voilà, dans le système, la mesure du nombre d'heures de soins dont vous avez besoin. Le processus de préparation de cette demande de financement a vraiment dépassé les compétences d'une personne ordinaire. Sauf si votre carrière, c'est d'être spécialiste de subvention, mais en tant que maman, je n'avais aucune idée de la manière d'écrire les demandes pour correspondre aux priorités du ministère, ni à qui parler au ministère. Je ne savais pas quoi dire pour qu'ils nous écoutent et nous comprennent. On avait besoin de quelqu'un pour nous et Inclusion Canada était là. Ils ont parlé en notre défense et ont aidé à défendre les droits de Robert et de Lynn. Ils ont aussi aidé les bureaucrates à trouver comment faire fonctionner cette situation dans leur système plutôt que de défendre les limites de ce système. Et on a gagné. Et encore aujourd'hui, ils sont encore chez eux, 32 ans plus tard. Mais c'est tellement malheureux. C'est horrible qu'ils sont l'exception. Les institutions continuent d'être la seule option disponible. Je connais deux jeunes personnes qui ont la vingtaine, qui viennent d'être placées dans un établissement collectif avec beaucoup. Et ce sont des endroits qui sont jolis, mais si les gens savaient qu'à l'intérieur, c'est des prisons, les gens seraient écœurés. Mais quand vous passez devant, c'est joli. L'entrée est bien décorée, le hall d'entrée est bien décoré. Et quand le public voit ça, ils se disent probablement, waouh, c'est vraiment un bel endroit où vivre. Et dans les faits, vous n'avez plus votre autonomie, vous êtes seul, négligé, parfois maltraité. Dans les établissements d'aujourd'hui, on vous dit que vous avez votre propre lit, votre propre chambre, mais vous ne choisissez pas où vous voulez vivre, ni avec qui. Et si vous avez besoin d'aide pour la toilette, par exemple, comme pour mes enfants, il faut automatiquement porter une couche, et c'est la règle, et il faut la respecter. Même si vous pouvez dire à quelqu'un quand vous avez besoin d'aller aux toilettes. Vous ne pouvez même pas prendre de décision par rapport à ce que vous mangez, quand vous mangez, ce que vous allez manger, quand vous allez au lit, à quelle heure vous allez au lit. Et le pire, c'est que tout est fait. C'est pas pour vous. Vous n'avez aucun choix. C'est une vie très pleine de solitude. Il faut suivre toutes les règles. Et vous n'avez aucun droit de créer ces règles. Vous avez même besoin d'une permission pour quitter l'établissement et bien entendu un couvre-feu. Et vous n'avez aucun droit de parole là-dessus. Et moins vous avez de mobilité et plus vous passez vos journées à regarder le monde se dérouler devant vous plutôt que d'avoir une vie. Quand les horreurs de la vie dans les maisons de retraite, vous l'avez vu à la télé au début de la pandémie, vous avez vu le public réagir par rapport aux mauvais traitements, aux isolements, à la solitude. Mais vous savez quoi? Il faut garder ça à l'esprit. Parce que même si les dangers de la pandémie se sont calmés, la révolte du public s'est calmée aussi. Mais la perte d'identité, la perte d'autonomie, la perte de liberté, la solitude continue dans ces maisons de retraite, dans ces foyers de groupe, dans ces foyers de soins spéciaux partout au Canada.
même celles qui ont l'air jolies. Je tremble quand j'imagine ce qu'aurait été la vie de Robert s'ils avaient été là, qu'ils ne seraient plus de notre commande. Mais Robert et Lynn sont dans leur propre maison. Ils ont le soutien à domicile dont ils ont besoin. Et ils veulent faire des choses ordinaires, comme aller au bout de la rue chercher un journal, aller rendre visite à des voisins, aller faire les courses, aller chez le coiffeur, s'occuper des factures du logement, participer à la vie. Récemment, ils ont eu un animal domestique et ils ont maintenant un chat. Il s'appelle Chester et il a apporté beaucoup de joie dans leur vie. La vie de Robert et Lynn, c'était vraiment une vie ordinaire, mais c'est une bonne vie ordinaire. Une vie qui est possible parce qu'ils vivent dans leur propre maison. Et maintenant, je vais rendre le micro à Jeff. Merci, Diane. Et merci à Norm aussi, et en particulier à Diane. Merci d'avoir pris le temps de nous raconter l'histoire de votre famille, l'expérience de votre famille et la vie inclusive que Robert et Lynn ont créée et qu'ils vivent aujourd'hui. Avec toute déclaration, on a des appels à l'action. Donc, où est-ce qu'on va à partir de là? On demande de nos organisations, on vous demande à vous en tant qu'individu et en tant que famille, de demander au gouvernement d'agir. Et Inclusion Canada croit que le logement doit changer pour que les personnes ayant une déficience intellectuelle puissent avoir un logement sûr, abordable et inclusif. Je ne vais pas tout lire parce qu'on n'a pas assez de temps. C'est à l'écran. Je vais en parler de quelques-uns. D'abord, le gouvernement doit reconnaître le droit de vivre dans la communauté. La politique publique doit reconnaître et appuyer ce droit. Et comme Norm l'a mentionné plus tôt, la Convention des Nations Unies sur le droit des personnes handicapées, en particulier l'article 19, et la Charte canadienne des droits et libertés, articles 7 et 15, mettent en avant ces droits. Et il faut que le gouvernement soit responsable. On doit s'assurer que les programmes de logement sont inclusifs. On demande au gouvernement fédéral, provincial et territorial de ne financer que des logements sociaux inclusifs et que les gouvernements continuent d'investir dans des logements inclusifs. À l'heure actuelle, ils investissent dans des logements qui sembleraient inclusifs, mais qui ne le sont pas. Et beaucoup de personnes handicapées sont regroupées et séparées du reste de la communauté. Donc, on demande à tous les gouvernements de fermer les institutions. Et l'argent de ces institutions soit redistribué pour le soutien des personnes. Et le dernier événement dont je vais parler, c'est qu'on demande à tous les paliers de gouvernement d'adopter des principes de logement inclusif lorsqu'ils financent ou ils investissent dans des logements. Ça doit couvrir les 5 domaines de logement inclusif, ce qu'on a appelé les indicateurs de logement inclusif. Les arrangements au soutien, le logement, la structure, les personnes et les quartiers. Et on n'a pas le temps aujourd'hui de parler du fonctionnement de ces indicateurs, mais ces 5 domaines établissent des indicateurs individuels et peuvent mesurer ce qu'on appelle l'inclusivité du logement, c'est-à-dire le degré dont le logement contribue ou présente des obstacles à la participation à la communauté au sens large. Diapo suivante. Donc, vous posez peut-être la question, comment est-ce que vous pouvez aider? Il y a différentes manières. On peut tous rendre le logement inclusif une priorité. Pensez à votre propre situation de logement ou logement des personnes que vous aimez. C'est quoi qui le rend inclusif? Qu'est-ce que vous pourriez changer pour que ce soit plus inclusif? Travaillez avec vos associations
d'intégration communautaire locale, régionale, provinciale. Il y a trois moyens que vous pouvez utiliser pour influencer le changement. L'effort individuel, l'effort communautaire et l'effort politique. Du point de vue individuel, pensez aux gens avec qui vous avez des relations étroites, les gens que vous voyez tous les jours. Et utilisez ces connexions pour sensibiliser, parler aux membres de votre famille, à vos amis, par rapport à l'inclusivité du logement. Dites-leur ce que c'est que le logement inclusif. Parlez des institutions. Expliquez ce qui se passe à l'intérieur et pourquoi ce n'est pas acceptable. Au niveau communautaire, parlez. Faites entendre votre voix. Voyez où vous pouvez interagir de manière régulière pour informer et mobiliser le public. Pensez à votre lieu de travail, aux écoles, endroits récréatifs, lieux de culte, des organismes officiels ou pas. Utilisez vos médias sociaux, vos amis de Facebook pour informer vos amis sur les logements inclusifs. Partagez des affiches d'Inclusion Canada ou d'intégration communautaire. On affiche quotidiennement des renseignements sur différents médias sociaux et on essaie d'influencer le changement. Plus vous partagez, plus les gens sont au courant. Et au niveau politique, rappelez-vous que le handicap n'est pas une question partisane, que vous soyez actif en politique ou pas. Parlez à votre conseiller municipal et expliquez pourquoi le logement inclusif est important pour votre communauté. Demandez-leur ce qu'ils vont faire pour que ça arrive. Bâtissez des relations avec le monde politique. Vous pouvez écrire à votre député provincial ou au représentant gouvernement, demander aux membres du Parlement. Ils sont là pour vous. Donc, ne soyez pas timide. C'est pour ça qu'ils sont là. Vous pouvez demander une réunion. Vous pouvez assister à des réunions. Ils sont là. Il y a beaucoup d'options pour influencer dans ce domaine. Vous pouvez aussi rejoindre un parti politique si ça vous intéresse, pour influencer le développement de politique et le processus de plateforme électorale. Pour aider un petit peu dans ce domaine, on a un petit document pour aider les personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs familles, pour aider les bâtisseurs, les financeurs de logements, pour qu'ils comprennent ce qui rend le logement inclusif. Et ce document est sur notre site web en anglais et en français. Le lien sera dans la boîte de discussion. On a aussi créé un guide que vous pouvez utiliser pour travailler avec des développeurs locaux ou les gouvernements pour qu'ils comprennent mieux certains des principes d'un logement inclusif véritable. Ça aussi, on va mettre le lien dans la boîte de discussion. Et je vais finir sur quelques citations de défenseurs de l'autonomie et ensuite on aura une petite période de questions-réponses. La première citation vient de Shane qui dit, et ça, ce sont des défenseurs de l'autonomie, qui dit, ce que ça veut dire, une maison pour moi, c'est le choix, c'est d'aller et venir comme on veut. On m'a dit que notre maison, c'est un endroit d'amour et de choix, un endroit où on peut mettre la clé sur la porte et avoir un contrôle complet sur sa vie. Corey décrit une maison comme un endroit où il peut vivre en paix. Quand je me réveille, je n'ai pas quelqu'un qui me dit quoi faire. Mais je rentre et je suis à l'aise. Mon ami et moi avons loué un endroit. C'était notre décision et notre choix. Et quand on a ça, on l'a eu, c'était vraiment super. C'était deux belles années, deux années joyeuses. Et Gail a dit, une maison, pour moi, c'est avoir ma propre maison complètement relax et je fais les choses que j'ai envie de faire. Et je vais rendre la parole à Rachel et on peut passer aux questions et réponses. Est-ce qu'il y a des questions, Rachel? D'accord, merci tout le monde. Et merci à tous les présentateurs. Un petit rappel, si vous voulez poser une question à nos panélistes, veuillez utiliser la boîte Q&A en bas de votre écran. Il y a tellement de très bons renseignements à communiquer aujourd'hui. On a dépassé un petit peu, donc on va devoir choisir deux, trois questions pour s'assurer qu'on respecte le temps de tout le monde. Donc, Norm, je vais vous poser la première question. Cette question est sur l'institutionnalisation et ce qu'on peut faire au niveau individuel et personnel. Qu'est-ce qu'une personne peut faire pour avoir un impact sur la fermeture d'une institution?
Comment est-ce qu'on mobilise la communauté? Je pense que les personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs familles et leurs amis ont toujours été les gens qui ont permis la fermeture des institutions. Et je dirais que individuellement, c'est important, et Jeff l'a mentionné, c'est important de parler aux membres députés de votre gouvernement provincial et fédéral pour leur parler de vos inquiétudes. Mais encore une fois, je dirais que plus il y a de gens qui parlent, plus il y a des gens qui parlent ensemble en tant que voix unie, parce que le gouvernement généralement répond à la pression. Donc plus il y a de gens qui parlent et qui s'élèvent contre les institutions, je pense que plus le gouvernement ou les gouvernements voudront répondre. Donc c'est les réponses individuelles et collectives, les gens qui discutent avec les représentants élus qui font la différence. C'est très bien, merci beaucoup Norm. Donc on a quelques très bonnes questions qui s'en viennent. La question suivante, je vais la poser, je vais laisser les panélistes décider d'y répondre ou pas. La question est, quand on parle d'institutions et de fermer les institutions et passer à du soutien dans la communauté, est-ce qu'on inclut les personnes, les institutions pour personnes âgées ou les établissements qui appuient les gens qui ont 65 ans ou plus? Est-ce qu'on inclut ce groupe quand on parle d'institutions? J'aimerais répondre à cette question. Je ne pense pas qu'on parle de fermer les maisons de retraite. Les gens ont probablement besoin de soins là, mais si je repense à Robert et Lynn, et c'était l'option, ils avaient 45 ans et 42 ans. C'est eux qui auraient dû m'aider à aller dans une maison de retraite. Oui, il y a un besoin. Les options doivent être là pour les gens qui veulent ça. Mais au Nouveau-Brunswick, il y a une grosse poussée à l'heure actuelle pour aider les personnes âgées à rester chez eux aussi longtemps que possible, jusqu'à ce que ce ne soit plus faisable. Donc je ne dis pas les fermer, mais ça ne peut pas être l'option disponible pour quelqu'un qui a 20 ans, qui vient d'avoir son diplôme à l'école et qui cherche un emploi. Ça ne peut pas être un endroit où on le met. Merci beaucoup, Diane. D'accord, il y a d'autres très bonnes questions, mais malheureusement, nous arrivons à la fin du webinaire. Je veux respecter le temps de tout le monde. Donc, sur cette note, j'aimerais encore une fois remercier nos panélistes pour leur temps, leur contribution à la séance d'aujourd'hui. J'aimerais aussi vous dire qu'il y a un lien pour un sondage de rétroaction dans la boîte de discussion. Donc, si vous pouvez prendre quelques minutes pour répondre à ce sondage et nous aider à améliorer les webinaires et événements futurs. Et ceci étant dit, merci encore à tout le monde. Prenez soin de vous. Et nous espérons vous reparler très bientôt. Et bonne fête du Canada. Oui, merci.